Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Hello, hello, bienvenue. Comment allez-vous ce matin? Avec ce magnifique temps du mois de mai. J'espère que tout se passe bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mon salon. Bien, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Marilyn. Hello, Marilyn, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Très bien. Alors, tranquillement, on va attendre que les personnes viennent se connecter tout doucement. Bien, bien. Bonjour. Ça va? Bien, aujourd'hui, on va faire une séance un peu... Alors, normalement, c'est Tabata, mais on va mélanger... Tabata, et on va mélanger des exercices de renfort avec un peu de matériel. Donc il nous faudra, si vous avez soit une paire de bracelets lestés ou deux petites bouteilles d'eau, un manche à balai, un élastique, voilà pour aujourd'hui. Donc je vous montre. Hop. Voilà, des petites bouteilles. Très bien. Un élastique. Bonjour Laure, bienvenue. Un bâton. Bon, je pense qu'aujourd'hui on n'aura pas beaucoup de monde connecté. Les gens sont plus dehors, sont partis un petit peu en week-end. Donc voilà, c'est la partie de l'année où les gens sont un peu plus à l'extérieur. Donc voilà, alors on va commencer notre séance tranquillement. Donc, si vous pouvez préparer ce matériel, donc bouteille, bâton, élastique, évidemment votre tapis. Voilà, super. Épaule droite, quatre gauche.
d'accord. Et alterne. Impeccable. Relâche, penche tête. Devant, milieu, derrière. Devant, derrière. Regarde épaule. Penche la tête. Impeccable. À nouveau devant. Et puis, demi-cercle. Et relâche, impeccable. Ça va, on va travailler ici en poussant la taille à droite et à gauche. Ici, inspire et souffle. Encore. La même chose, tout petit, rapide. Encore 4, 3, 2, 1, stop. Devant, ici. Hop. 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 Encore. Et souffle. Souffle. Impeccable. On part ici, on va devant, côté, derrière. On part côté, devant. Côté, encore, et dernière, la même chose, petit rapide, 1, 2, 3 et 4, 4, 3, 2 et 1, super, et rotation, tourne, uniquement le haut, dans l'autre sens, et tourne, tourne, et relâche, rapproche pied, parallèle, des hanches à droite, des hanches à gauche. Les genoux restent fléchis. Encore. Et hop, 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 hop. 4, 3, 2, petit rapide. Tout petit. 4, 3, 2, stop. Portée, version, bascule, bassin, devant, derrière. Parfait. Et on va aller droite, devant, gauche. Derrière et puis à gauche. 2, 3, encore. Et 1, 2, 3. Et le dernier lent. Et puis rapide maintenant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et rotation tour. Dans l'autre sens. Super. On fait des 8. Parfait. Encore 4. Encore 3. Et le dernier. Et le dernier. Et on relâche. On pose pied gauche. Pied droit tout proche. On monte. On inspire. On souffle, on ouvre. Regarde. Plonge. Ici. Le genou vient embrasser l'autre genou. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Le dernier, on reste. Ici. Rotation cheville. Le genou reste fixe. Parfait. Dans un sens, la rotation. Puis dans l'autre. Et puis, on relâche. Impeccable. On inverse la posture. Hop. On ouvre ici. Et on va plonger. Encore. 4. 3, 2, 1, reste, rotation cheville, dans l'autre sens, et on relâche, on ouvre ici, flexion, petit fléchi, à la remontée, hop, ici, et 4, 3, 2, reste. Super. Sans sortir les fessiers vers l'arrière. Gardez dos droit, épaules basses.
Ne bougez pas vos bras ici. Restez bien de face. 4, 3, 2, 1. Restez à droite. Décollez pointe de pied gauche, ouvrez ici. Souriez, c'est le moment. Impeccable. Parfait. Pivotez. Ramenez. Croisez les doigts. Et repoussez-vous. Laissez twister la jambe vers l'arrière. Voilà, relâchez les bras le long du buste. Penchez celui-ci vers l'avant. Pliez, tendez la jambe arrière. Pliez. Et reste tendu. Ramène. Hop, postez main dans le sol. Tend les jambes. Fléchis, pivote. Et puis, déroule ici. On y va. Bascule le poids du corps. Gardez les épaules basses. Tout de face. Super. 4, 3, 2, 1. On reste à gauche. On ouvre. Super. On abaisse nos épaules. Pointe de pied, pivote. Ici. Repousse. Twist vers l'arrière. Relâche les bras le long du buste. Penche le buste. Pose tes mains. Plie. Tends. Plie. Tends. Encore. 4. 3. 2. Reste. Rapatrie. Pose tes mains. Tends les jambes. Plie. Pose les mains sur les cuisses. Creuse dans le bas du dos. Sors la poitrine vers l'avant. Et puis maintenant, creuse dans le ventre. Le dos s'arrondit, les omoplates s'écartent. Et 1 et 2. 1. Encore. On y va. 4 derniers. 3 derniers. 2 derniers. Le dernier, on déroule. On inspire, on souffle, on marche. Parfait. Ça va? Impeccable. On s'arrête un petit instant, on boit un petit coup. Yes. Bien. Alors, on va préparer nos petites bouteilles. Est-ce que vous avez le temps de préparer vos bouteilles? Très bien, il y a des personnes qui sont arrivées. Ah, salut! Laura est là, super. Salut, salut Lily. Marilène, très bien. Impeccable. Laure aussi. Super. Donc, vous prenez vos petites bouteilles et on va travailler avec ça. Regardez, premier petit mouvement, super facile. Élévation ici, d'accord? On aura des petites variations avec des petites rotations dans un sens et dans l'autre. Deuxième mouvement, ça sera élévation alternée, d'accord, et élévation simultanée des deux avec des petites variations. Ça va? Super fastoche. Let's go si j'y arrive. Alors, voyons voir. On inspire et on souffle. Écartez l'espace de vos jambes. C'est parti, élévation. Impeccable. Souffle. Super. Rotation.
sens. Inspire et souffle. Très bien. Abaisse bien tes épaules. Voilà, les omoplates descendent en direction des poches arrière du pantalon. Top. Super. Dernière fois, on va lever les bras et rotation dans l'autre sens. C'est parti. Dans l'autre sens, on a changé le sens de rotation. Épaules basses. Impeccable. Allez, encore. Super. Parfait. Cette fois-ci, élévation alternée frontale. C'est parti. Hauteur épaule. Parfait. L'autre main est posée là. Et ici, regardez, vous posez vos bouteilles à la hauteur de la couture du pantalon. D'accord ? Ensuite, les mains, les paumes sont tournées vers l'arrière. Et on va monter ici. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Ok ? Ça va ? On fait une fois d'un côté. Et puis, on fera deux fois d'un côté et deux fois de l'autre. Ça va ça ? Ok. Oui, pardon, ça fera nos quatre. Ça, pardon, j'ai oublié. Très bien. Et puis, l'autre, ça sera ça. Ici, avec alterné et simultané. Ok, go. On refait tout pareil. Grand pas vers l'arrière, fente, penche. Et on y va. Élévation. Vous gardez l'axe. Très bien, vous n'allez pas vers l'arrière, mais voilà, dans l'axe. Impeccable. Souffle, souffle. Stop. On se repose. On se prépare. On y va, les mêmes bras, deuxième fois. Super.
Parfait. Ici. C'est parti. Impeccable. Souffle. Ne dépasse pas ta couture ici, comme la poche du pantalon. Très bien. Top. On se repose. On se prépare. C'est parti. Cette fois-ci, on aura ici, on pose notre bâton. Très bien. Premier mouvement, élévation sur pointe de pied. Alors, c'est pas juste ça, hein. Vraiment, montez très très haut. Quand vous montez, ne basculez pas le bassin vers l'avant. Gardez un dos droit, des épaules basses. Allongez-vous, grandissez-vous. Très bien. Reposez à peine les talons que c'est déjà reparti. D'accord ? Premier mouvement, second mouvement avec ouverture en première, ici. Pareil, on monte bien. Montez vraiment au max. Sans flexion de genoux, en gardant toujours les jambes tendues, les genoux tendus. D'accord ? Troisième mouvement ici. Très bien. Quatrième mouvement, ça sera là, on enchaîne là, on enchaîne là. Voilà, et on enchaîne. D'accord ? Ensuite, deuxième partie de cette série, ça sera ici avec des élévations là, d'accord? Et puis on va s'amuser, on va faire des petites variations. Allez, let's go! Désolée, ça sera toujours la même musique. Toujours la même musique parce que franchement, c'est casse-pied avec Facebook. Allez, c'est parti, élévation tranquille. Hop! On monte vraiment très haut, on ne triche pas. Ne triche pas, c'est ça, vous soufflez en haut, souffle, parfait, sans bascule du bassin à épaules basses, bassin neutre, 3, 2, 1. Stop, deuxième posture, première, voilà, sans flexion.
fléchir les genoux. C'est parti. Hop. 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 Encore. Troisième, on tourne les pointes vers l'intérieur. C'est parti. Bâton léger, on ne s'appuie pas sur son bâton. Impeccable. C'est super. Montez bien sur la pointe. C'est un mélange des trois mouvements. 3, 2, 1. Allez, on y va. 1, 2, je change. 1, 2, je change. 1, 2, je change. Début. Impeccable. Et on va descendre. Préparez-vous, gardez la bâton bien droit et juste décolle. Sans bouger le bassin, on ne doit pas passer sur les côtés. Super. Stop, break. On inspire, on souffle. On reprend, on se prépare. 3, 2, 1. Let's go. Deux.
fléchissez bien et décollez vos talons. C'est parti, pas chassé, on décolle. Allez, on descend sur ses genoux, ouais, super. Allez, décolle. Top, on se repose.
gardez la tête dans l'axe de la colonne. Ne creusez pas dans le bas du dos. Allez, on va enchaîner sur des petits abdos très simples que vous connaissez déjà très 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 bien. Ici, on décolle la tête, les mains viennent se placer au niveau des omoplates, les coudes viennent emprisonner les tempes, on a décollé notre tête, notre buste. Très bien, et puis on aura juste à ramener ici, d'accord? Ça c'est le premier, et les quatre premiers, et les quatre derniers, c'est là, vous rappelez, soit avec les mains ici, soit les mains là-haut, afin d'éviter de prendre appui dans le sol. Lorsque vous mettez les mains ici, vous avez tendance à appuyer et à faire démarrer le mouvement de vos épaules, ce qui n'est absolument pas le cas. Le mouvement doit émaner d'ici, d'accord? De votre centre abdominal. Donc, pour éviter, on met les mains ici, hop, et on engage ici, ou alors on met les mains là. D'accord? Donc, les quatre premiers basculent de la partie inférieure du corps vers l'avant, et les quatre autres, c'est élévation. Allez, on reprend. On refait l'autre. Soufflez bien.
évidemment. On peut s'asseoir et boire un petit coup. Parfait, parfait, super. J'espère que c'était bien pour vous aussi. Que vous avez pu réaliser tous les mouvements. Bien. On va s'allonger, s'étirer, prendre un petit temps agréable. Allez, let's go. Très bien. Allez, on s'allonge tranquillement sur le dos. On s'étire en poussant les paumes de main loin derrière. Jambes tendues, pointe de pied flex, paumes de main poussent loin. Et puis on relâche. On inspire, on pousse, on pousse, on pousse. On souffle, on relâche. Une dernière fois, on inspire. Et on relâche. Doucement, on ramène ici. Si vous pouvez récupérer votre élastique, voilà. Vous gardez à côté de vous. Très bien. Vous ramenez tout doucement le genou droit vers vous. Vous placez les mains sur ce genou. Et vous ramenez le genou vers vous, mais le genou, lui, veut aller dans l'autre direction. On a ces deux directions qui s'opposent. Profitez-en pour abaisser vos épaules, faire des rotations de cheville dans un sens et dans l'autre. Plaquez le maximum votre dos dans le sol. Très bien, et relâchez. Récupérez votre élastique et placez-le autour de votre voûte plantaire. Très bien. Ici, en gardant l'élastique dans vos mains, jambes tendues, descendez. Puis remontez. Partez sur le côté. Allez le plus loin possible, en gardant le bassin face plafond. Puis revenez. Partez sur l'autre côté. Posez le coude au sol et restez là. Revenez. On recommence. En allant ici sur l'avant. Sur le côté, en gardant le bassin de face. Posez votre coude au sol. Revenez, posez l'autre coude au sol. Et relâchez. Parfait. On inspire, on souffle, on ramène l'autre genou vers soi. Abaissez vos épaules. Cherchez à plaquer le maximum de surface de dos dans le sol. Rotation cheville dans un sens puis dans l'autre. Très bien, inspirez, soufflez. Récupérez votre élastique. Placez-le autour de votre voûte plantaire. Inspirez, soufflez. Poussez sur cet élastique avec votre jambe tendue. Posez le coude au sol, laissez partir sur le côté. Sans pivoter vos épaules, gardez les épaules face plafond. Les deux épaules restent de face. Très bien, l'autre genou qui est fléchi reste face plafond. Inspirez, soufflez, posez l'autre coude. Très bien.
Et on y va. On va le plus loin possible. Encore, on revient. Inspirez, soufflez. Gardez bien les épaules de face, revenez. Super. Revenez. Relâchez votre élastique, posez-le sur le côté, ramenez les deux genoux. Faites des rotations en même temps, simultanées. Dans un sens et dans l'autre. Allez, cherchez loin la rotation. Une rotation avec une grande amplitude. Dans un sens et dans l'autre. Cherchez bien vos appuis dans le sol. Très bien. Et puis maintenant, tout petit, en désynchronisant, c'est-à-dire que ça sera un genou après l'autre. Sentez la zone lombaire se mettre en route. Changez le sens de rotation. Très bien, puis balancez droite et gauche. Relâchez, hein, la tension au niveau des bras, laissez aller, laissez faire. Et puis laissez-vous tomber sur un côté. Hop. Et venez vous asseoir. Ça va? Bien. Ouvrez grand l'espace de vos jambes. Vraiment, veillez à avoir cet écart maximal avec les genoux tendus. D'accord? Donc si pour avoir les genoux tendus, pardon, vous devez réduire votre écart, allez-y. Mais je veux des jambes et des genoux tendus. Parfait. Placez votre élastique devant vous. Bien. Inspirez. Et sur le souffle, marchez, marchez, marchez. Et voyez si vous pouvez poser vos mains sur l'élastique. Si c'est vraiment trop facile, vous pouvez l'éloigner un petit peu. Mettez-le à la distance maximale à laquelle vous pouvez poser vos doigts dessus. Continuez à inspirer, souffler. Et cette fois-ci, tout en gardant la même distance, voyez si vous pouvez poser les paumes, les avant-bras, les coudes au sol. Tout en gardant vos genoux fléchis. Vos genoux tendus, pardon. Surtout pas fléchis. Inspirez, soufflez. Essayez de voir si vous pouvez poser les paumes de main, les avant-bras, les coudes, les poignets. Parfait. Sentez lentement ici comment ça tire lentement au niveau à la partie interne des cuisses. Mais ça va. Vous pouvez résister, vous êtes fort. Très bien. À nouveau, tendez vos bras et réalisez un arc de cercle avec vos mains pour aller vers la gauche. Avec la main gauche, saisissez le talon gauche. Et avec la main droite, venez par-dessus la tête. Saisir la pointe de pied gauche. Pivotez votre buste face à moi. Sentez l'étirement se faire tout le long ici. Continuez à sentir l'étirement à la partie interne des cuisses. Inspirez, soufflez. Très bien. Doucement relâchez, tendez vos deux bras et faites un arc de cercle.
Avec la main droite, venez saisir votre talon droit. Avec la main gauche, venez par-dessus la tête. Inspirez, soufflez. Gardez le buste pivoté de face. Très bien. Et puis tout doucement, revenez au centre. Et posez vos mains. Voyez si vous pouvez dépasser facilement votre élastique. Si le repère que vous aviez mis tout à l'heure peut être dépassé. Toujours en gardant les jambes tendues. On ne fléchit pas les genoux. Et puis vous posez vos avant-bras, vos coudes, ce que l'on peut. Très bien, tout doucement, revenez en marchant avec vos mains. Ramenez vos deux jambes côte à côte et relâchez complètement. Super. Ça va, si vous voulez, vous pouvez garder vos jambes tendues ou fléchies en tailleur. Redressez-vous. Parfait. Inspirez, soufflez, abaissez vos épaules et laissez rouler votre tête vers l'avant. Vers l'arrière. Reviens centre et puis allez, regarde par-dessus ton épaule. Très bien. Impeccable. Devant, derrière, et puis des rotations dans un sens et dans l'autre. Et puis relâche. On passe à genoux, puis en position chevalier pour remonter. Impeccable. On inspire. On saisit avec la main droite le poignet gauche et on va étirer comme ça. On garde le buste de face. On inspire et sur le souffle, on vient et on relâche tout en bas. On laisse complètement, je me mets un peu de profil, on relâche, on laisse tous les genoux fléchis, les mains, le dos des mains s'enfonce dans le sol et puis on remonte doucement. Relâche tout. Parfait, on inspire à nouveau, on inverse la posture, inspire, souffle, relâche, et puis en bas on va laisser aller d'un côté de l'autre comme ça. Et puis on revient au milieu et on déroule. On prend une grande inspire. Et encore. Et on laisse faire les choses ici. Hop. On laisse. Sans contrôle. Bien. Grande inspire. Merci. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. J'espère que ça a été, que vous avez passé une bonne séance. Je vous félicite. Merci d'avoir été présent avec moi. Alors, juste pour vous donner un petit topo, vous avez compris que on croise les doigts, on va reprendre bientôt nos activités en salle à partir du 9 juin. Que j'ai déjà repris quelques activités à l'extérieur qui sont un véritable bonheur. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 16 mai.
Mercredi prochain, nous ne nous voyons pas car je suis jury pour des personnes qui passent leur CQP. On se verra dimanche 23, on ne se voit pas non plus parce que c'est veille de jour férié. Mercredi 26, on ne se voit pas parce que je suis en marche nordique. Et on se verra dimanche 30 mai. Voilà, donc notre prochain rendez-vous, c'est le dimanche 30 mai. Voilà, en live. Après, le reste, ça sera sur le terrain avec les associations qui ont mis en route des cours à l'extérieur. Donc voilà, on se voit le dimanche 30 mai pour nous. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis merci beaucoup. Passez un excellent week-end. Même s'il est pluvieux, mais soyez heureux à l'intérieur de votre cœur, de votre corps, de votre âme. Je vous embrasse. Au revoir.